Allez, nous nous trouvons devant le Chicago Theater. Donc ça brille, c'est super, donc on prend la photo. Là, ici, là, si vous voyez, ça brille, c'est magnifique. Et juste en face, on a une chaîne de télé. Alors ça, on est surpris, mais c'est comme ça. On a une chaîne de télé publique avec un mur en verre. Quoi. Enfin, on peut voir ce qui se passe. Quoi. Voilà, c'est là. Ici, on va voir. Alors on regarde la télé de l'extérieur. Donc là, on a l'enregistrement d'une émission en direct. Excellent. C'est excellent. Le gars, il est en train de faire la météo en direct. Quoi. Coucou! Excellent. Bon allez, on va reprendre nos esprits et faire ce pour quoi on est venu, quoi, c'est-à-dire prendre la photo de ce fameux Chicago Theater qui est, bah, c'est juste magnifique, ça brille de mille feux. On va essayer de faire une petite image comme ça, hein, des familles. Donc voici derrière moi le Berghof, qui est le premier bar qui a obtenu la licence après la prohibition. Donc cette licence est encore affichée sur le mur derrière le bar. Donc c'est un bar assez mythique dans la ville de Chicago. Béatrice, t'as pas pris ton gun? Non. Attention, t'as pas ton gun sur toi? Si, tu l'as derrière? D'accord. Parce qu'il faut pas prendre son gun, hein. Quand on va dans les bars, t'arrêtes de prendre ton gun maintenant, hein. Voilà. Mais tu rentres pas. Tu rentres pas, t'as ton gun, tu rentres pas. Faut pas déconner quand même, hein. Alors, nous nous trouvons devant le Palmer House Hilton. Donc c'est un hôtel, un des hôtels les plus célèbres de Chicago. Où se sont pressés plein de célébrités, apparemment. Donc voilà, ça brille, c'est rose, c'est plein de lumière. Alors comme je connais pas le nom par cœur des gens célèbres qui se sont pressés dans cet hôtel, je vous les marque, je vous fais une petite liste là à côté de moi. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Je fais les recherches et puis vous faites votre tambouille après, hein, d'accord. Merci beaucoup, vous me facilitez la vie. Et nous voilà au Giordano's où on consomme la fameuse Deep Dish Pizza, qui est une pizza, c'est la spécialité de Chicago. C'est très particulier, donc on va goûter. The deep dish pizza does take about 45 minutes to an hour. A regular 45 minutes? Yes, 45 minutes. Yeah, it's really thick with raw ingredients in it. Yeah. So you don't have to cook it. Yeah, yeah, yeah. Allez, on a reçu nos bières parce qu'on a quand même 45 minutes d'attente pour la pizza. Et en attendant, ben, on va boire des bières, quoi. On va peut-être pas se saouler, mais voilà, on va faire durer l'apéro. En attendant, on va trinquer. Bah, la vôtre, hein. Voilà, on va faire simple. Chin. Oui. For me too. Okay. Okay. It was the Bud Light, right? Yeah. And the me. 312. Yeah. Okay. Super midgy right there. Okay. I'll be right back with the beers. Enjoy. Thank you very much. Oh la la. Oh la vache. Donc du fromage là. Beaucoup mou. Dis donc. Non. Eh ben putain, c'est la bataille des fils là. Bon, voici la pizza. La pizza locale. La pizza, la spécialité de Chicago en pizza. Voilà. Ça ressemble, c'est entre la quiche, la pizza et la tarte. Avec des poivrons. Mmh. Il y a des films. C'est sympa. Mmh. Pas mal. Allez, samedi, la veille du départ. On part demain, il faut bien partir à un moment. Alors, on a eu un petit invité, Léa a découvert un petit oiseau par terre dans la rue. Il était complètement transi de froid, elle a récupéré. Donc elle l'a dans sa main là, et il a passé la nuit ici, au oui. Chaud. Voilà, donc je vous présente, et tu lui as même pas donné de nom, comment il s'appelle? Pichoun. Pichoun. Voilà. Bon, alors voici Pichoun, voilà. Attends le temps de faire le point dessus. Pichoun. Ce serait bien qu'on le voit en entier, non? Non, si tu le lâches, il s'envole, non? Ah, il s'envole. D'accord. Il va se connaître. Ok, ok. Bah, si tu peux le suivre. Voilà. Hop là. Allez. Voilà, un petit oiseau trouvé dans la rue, dans les rues de Chicago, là. Il était par terre. Sur le côté, là. Quelqu'un aurait pu marcher dessus, puis voilà. Il est sauvé. Il est en forme, hein? Ah,
Voilà. Oh. Bing, bam. Alors bing, voilà. Bam, alors souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il croit qu'il n'y a pas de vitre. Mais un oiseau, faut pas trop lui demander, tu vois, parce qu'il n'est pas trop. Pas trop au courant hein, de ce qui se passe. Hein. Allez hop. Vas-y. Vas-y. Va. On y va. Allez, on y croit. Dépêche-toi. Allez. Tu peux t'en aller. On y croit. Va. Allez, vas-y. Peut-être qu'on le pousse un petit peu. Il est parti. Allez. Il est parti. Il est parti dans les buildings de Chicago. Je me trouve actuellement dans la gare Union Station. Donc c'est une gare très célèbre, hein, puisqu'on l'a vu dans le film Les Incorruptibles, où a été tournée une très célèbre scène, la fameuse scène des escaliers. Donc on va rentrer à l'intérieur. Voici les fameux escaliers. Allez, on descend ensemble les escaliers. Donc voilà, donc là c'est là où se trouvait Kevin Costner avec le landau. Et le landau qui dévale les escaliers jusqu'en bas. Et finalement, ben, le bébé est sauvé de la fusillade. Voilà où ça se passait. Ici. J'ai beau regarder, je vois pas d'impact de balle. Hein. Voilà. Apparemment, c'est nickel. On fait du bon boulot. Hein. Ils ont tout remis comme c'était. Hein. Voilà, tranquille. Puis sur les murs, pareil. Je vois pas les impacts. Bien, t'as un bon travail. Bon travail. Bon boulot. Les ouvriers américains, bon boulot. Attends, attends, attends. Bah oui, on va faire un truc bien. J'étais pas parti pour faire ça. Bah ouais, on sait bien. Hop. Thank you very much. Je profite. on va dire que c'est celle-là la dernière. On est où là? C'est quoi le restaurant? Le Miller's Bar. Voilà. Alors, nous voici au Miller's Bar pour le dernier repas de cette aventure. Et on va trinquer comme d'habitude. Voilà, tout est ici. Allez. Merci d'avoir suivi tous ces épisodes, je vous dis à la prochaine fois, continuez à me suivre, vous êtes super. Tchuss. Maintenant en train. Tchuss. Hop là, à votre train. À la vôtre. Willy, le serveur du Miller's Pub que vous voyez au centre, m'a probablement servi l'un des meilleurs burgers que je n'ai jamais goûté. Pour ceci, je l'en remercie et je remercie aussi son extrême gentillesse qui nous a valu de lui laisser un généreux pourboire. Nous l'avons beaucoup apprécié. Puisque l'heure est au remerciement, j'adresse les miens à tous ceux qui ont suivi cette aventure et qui m'ont encouragé durant les diffusions de ce road trip. Ce voyage américain était extraordinaire et laissera des traces indélébiles dans ma mémoire. Au-delà des vidéos, c'est surtout dans ma tête que les images s'impriment le mieux. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures et compte sur votre soutien et votre fidélité. Merci encore.